Les karatékas guinéens peuvent se frotter les mains. Des infrastructures aux normes internationales sont mises à la disposition de cette fédération par la coopération japonaise. Leur siège a été inauguré ce mercredi 25 février 2021 par l'ambassadeur du Japon en Guinée. Le président de la fédération parle des raisons du couplage du championnat et la coupe nationale. C'est une question de moins parce qu'on aurait bien voulu avoir 5 à 6 championnats par an. Et ce qui est dommage parce que c'est un coup et il faut reconnaître, c'est ce qui nous amène même à coupler le championnat et la coupe au mois de décembre. Donc cela pour nous permettre effectivement de mettre en place une équipe de compétition pour les prochaines saisons sportives. Donc c'est pourquoi championnat de décembre, puisque les saisons sportives commencent forcément le mois de janvier-février. Donc notre calendrier est tendu sur ça. À travers la formation des acteurs de cette discipline et les infrastructures, la Guinée peut abriter toutes les compétitions à dimension internationale. Bonne équipe, parce qu'à chaque fois qu'on est sorti, on a engrangé des expériences. Et déjà l'expérience de compétition étant là, et là il faut avoir les jambes de compétition. Donc les jambes de compétition là supposent un centre de formation aujourd'hui qui est disponible pour nous permettre vraiment de mettre ces compétiteurs à un niveau, et si vous voulez, à un niveau international, parce que nous connaissons à peu près quel est le niveau international aujourd'hui. À travers toutes nos compétitions qu'on a participées, à travers le niveau de nos arbitres aujourd'hui qui connaissent discerner. La Fédération guinéenne de karaté a organisé le dernier championnat couplé à la Coupe nationale au mois de décembre 2020. Ces compétitions ont connu la participation de 115 athlètes, dont 12 femmes venues de différentes ligues du pays.